Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quatrième vidéo de la semaine et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un truc plutôt sympathique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. En farfouillant sur une ancienne adresse mail, je suis tombée sur des messages par rapport à un Skyblog et je me suis souvenue que oui, il y a pas mal d'années, je t'avais créé mon Skyblog lorsque j'avais Bilbao et je suis allée me reconnecter dessus et comment vous dire que ça a été un fou rire total. Du coup aujourd'hui j'ai envie de vous partager du coup ce moment, vous faire découvrir mon Skyblog parce que il y a des articles qui datent de 2013, donc j'avais 14 ans, et des articles qui datent de 2015, donc quand j'avais 16 ans, et qui parlent un peu des préparatifs pour l'arrivée d'Ormel. Et du coup c'était vers les périodes là où peu de temps après j'ai commencé sur YouTube, donc voilà, c'est un moment un peu plus nostalgique, mais j'ai envie de vous partager ce moment avec moi aujourd'hui, donc on est parti. Bon, du coup j'ai déjà ouvert l'onglet Skyrock et là nous voyons déjà mon très beau pseudonyme. Alors je ne sais pas si vous êtes de cette période là, mais je sais que quand on crée des pseudonymes, alors déjà mon poney s'appelle pas Bilbao, il s'appelle Bilabo, c'est sympa, je pense que le nom ne devait pas être disponible, mais les X sur les pseudonymes, mais je crois que ça tout le monde le faisait à cette époque. Et la photo, bon bah la photo elle est à peu près normale en fait, c'était pas une ancienne photo, je pense que c'était plus à la période où j'avais repris le blog pour parler de Bilbao et de l'arrivée d'Ormel. Du coup, on va aller découvrir mon blog. Alors, voici comment se présente mon blog. Ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Alors, niveau habillage, alors c'est un habillage que j'avais fait moi-même. Donc en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Sinon, là, je remarque que niveau fan, j'avais quand même 582 fans. Hein, c'est... Et en 7 ans, j'ai eu 5175 visites. J'étais quand même populaire. Hein. Disons-le nous, je commençais quand même ma carrière. Et là, on tombe déjà sur des très beaux dossiers. Alors là, ça n'a rien à voir parce que de base, vu que j'avais repris le blog, j'avais créé un autre habillage. Et du coup, les articles-là, je les avais mis hors ligne parce que je ne voulais plus en entendre parler. Mais ça, c'est les premiers articles que j'ai dû publier. Alors, mon petit bibi, il était tellement jeune, mon Dieu! Et un lundi 10 juin, je devais pas être à l'école, moi, à ce moment-là. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je disais là-dessus? Aujourd'hui, j'ai juste longé un peu Bilbao car je ne me sentais pas super bien. J'ai dû ne pas aller à l'école ce jour-là. C'est pour ça que j'ai pu faire un article. À ce moment-là, en 2013, je faisais que mes articles en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ouais, j'ai longé un peu Bilbao. Non! Mon Dieu, le Photoshop de crotte! L'œil que j'ai fait à Bilbao, j'ai rajouté un point noir. Mais pourquoi j'ai fait ça? Oh non, c'est nul! Mais c'est moche! Mais déjà, les photos, elles étaient pas belles, mais... Je rajoute pas un point noir comme ça. Bon, bah voilà! Oh, il était tout sale, mon bébé. Mais il était tellement fin, à ce moment-là. Il devait être jeune. Bah oui, 2013, je crois que j'ai eu en... 2012. Wow, 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 attention, j'avais des partenaires à ce moment-là. Eh, mais j'étais déjà influenceuse sans le savoir, moi. C'était ma carrière, quoi. C'était... Waouh. J'étais dédiée à être influenceuse. Super. Eh, j'avais toujours ma folie sur le noir et blanc. C'est assez impressionnant. On va éviter de mettre les vidéos. Parce que je crois me souvenir que j'avais mis des musiques. Et les musiques n'étaient pas libres de droit. Donc j'ai pas envie qu'on me démonétise cette vidéo, donc on va éviter de les mettre. Rien de spécial, je l'ai laissé tranquille dans le pré. Waouh, et c'est très important de dire que le mercredi 29 mai 2013, j'ai laissé mon poney tranquille dans le pré. J'étais une journaliste qui était vraiment impressionnante, quoi. J'avais la discussion, quoi. Je savais quoi écrire. C'est pour ça que je me suis encore jamais lancée à écrire un livre, parce que si je me débrouille comme je me débrouillais sur mes articles, je suis mal barrée. On tombe sur un livre d'or. Waouh, j'ai quoi comme... J'ai un message sous mon livre d'or. Et c'est un de mes partenaires que je vous ai montré précédemment qui a écrit « Pour moi, vous êtes un concentré de bonheur. Ton poney est vraiment trop chou et toi, tu es super sympa. Tu as un magnifique blog. Bonne continuation avec ton poney. Bisous à Pache et Alexia. »
Eh bien, Apache et Alexia, si un jour vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien, je vous passe le bonjour et je vous remercie pour ce magnifique message sur mon livre d'or. Alors moi, j'avais mon kiff avec Bilbao. Je vous mettais des chapeaux, etc. dessus, ça me faisait délirer, mais au final, quand tu regardes la photo en elle-même, elle est pas si oufissime que ça. Là, c'était la première fois que j'avais désensibilisé Bilbao au tapis. Et le tapis qui est trois fois trop grand, en fait, c'était un tapis que j'avais gagné lors de mon concours interne, que je vous en avais parlé sur mon bureau My Horse Life, quand j'étais encore en club. Et du coup, c'était le tapis que j'avais gagné. Donc, j'avais utilisé ce tapis pour pouvoir débourrer Bilbao. Merci pour ta visite et à bientôt sur Pony. Ah, j'avais changé de nom. En fait, ouais, X Bilbao de Caen, je pense que c'était une fois que j'avais changé, du coup, que j'avais repris par la suite. Parce que du coup, c'était Pony Dream Love. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé. Tension, on est plutôt pas mal. Les plus fidèles, j'avais trois partenaires. Ouais, bon, bah là, du coup, c'est en 2015, on passe 2 ans après. Du coup, nous avons été bloc source. Donc ça, je pense que c'était les grades qu'on pouvait obtenir. Mais j'ai été bloc source. Et les photos sont déjà un peu plus récentes. Ça, je m'en souviens bien. Oh ! J'ai été bloc star, c'est vrai ! J'étais une star à ce moment-là. J'avais galéré à devenir bloc star. Mais j'y suis arrivée, c'était super cool. J'étais hyper fière. Hein. Mon but dans la vie, être bloc star. Bah ça va, déjà, la présentation du blog était beaucoup mieux. J'avais fait un... Il y a quand même une évolution par rapport à 2013. Ouais, c'était déjà des trucs beaucoup plus travaillés. Hein. De base, c'était des articles que je faisais en une fois, en fait. J'écrivais pas sur Skyrock. En fait, je prenais Photofiltre et je m'amusais à écrire mes articles comme ça. Et là, on parle un peu de Bilbao au niveau de son débourrage. Donc ça, je vous ferai une vidéo sur Bilbao. Au niveau de son débourrage, parce que de base, je voulais faire monter Bilbao. Du coup, ça, je vais un peu passer, je vais pas trop vous en parler, je ferai en sorte de vous faire une vidéo dédiée à ça. Mais en fait, là, il y a beaucoup d'articles où je parle de son débourrage. Et du coup, on va un peu zapper tout ça, comme ça, vous verrez pas. Bon, il y a des photos, il y a des shootings, en fait, hein. Je parlais un peu de la vie de Bilbao, hein. Et je pense qu'on va aller un peu plus loin. Oh, il était beau, mon bibi! Regardez cette petite bouille qu'il avait. On va aller un peu plus loin. Là, ça m'intéresse pas. Je pense que c'était vers là. Suite des travaux. Donc, ouais. Donc, c'était la page avant. La page avant, en fait, on commence à parler des travaux qu'on avait mis en place pour l'arrivée de Hormel. Et du coup, on était en train de fabriquer le box. Le box d'Hormel. Donc, j'avais pris toutes les étapes. Et du coup, là, ça me fait un peu bizarre de revoir ça parce que... On avait mis vraiment tout notre cœur pour pouvoir accueillir Hormel à la maison. Et ouais, là, on était en train de fabriquer du coup la plaque de box pour pouvoir avoir et le box d'Hormel et le box de Bilbao. Et là, le box était quasiment fini. On avait mis beaucoup de cœur. Hein. Mon père m'avait énormément aidé, avait fait beaucoup de belles choses pour me permettre d'avoir Hormel. Et là, bah, c'était le jour où j'étais allée le voir. Il était vraiment magnifique, mon petit loulou. Vous en avez parlé hein, sur ma vidéo, hein, mon ancien cheval. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur lui, je vous mets dans la barre d'infos du coup le lien de la vidéo où je parle un peu de ce qui s'est passé. Ensuite, ouais, je parle beaucoup de ma chute. Donc là, vous avez les très belles photos lorsque j'ai eu ma chute. Donc en fait, là, ça... Si vous voulez également un peu lire, je vous mettrai du coup le lien de mon Skyrock. Vous pourrez lire un peu ce qui s'est passé avec Hormel, parce que j'en parle un peu. J'avais fait Halloween avec Hormel et du coup ça c'était mon maquillage. J'étais à fond dedans. J'avais même maquillé mon petit loulou pour pouvoir faire une belle photo. Donc ça c'était une photo qu'on avait fait. J'étais quand même pas mal niveau maquillage. Hein. Ouais, là il y a le... des grands changements. Du coup, les grands changements, c'est que j'ai annoncé que Hormel partait en pension. Et de ce moment-là, après, je n'ai plus parlé je n'ai plus écrit sur ce blog. Et après, le départ d'Hormel, c'est là où après j'ai commencé YouTube. Donc, peu de temps après, on est en 22 février 2016. Je crois que peu de temps après, j'ai commencé
j'ai commencé YouTube. Du coup, voilà ma petite vidéo. Vous avez découvert avec moi mon blog. Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai le blog en description. Comme ça, vous pourrez aller le visiter si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve demain à la même heure. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut !